renvoi Sénédaï de référendum du 27 juin 2021. Un référendum que le président Jovenel Moïse vraiment passé plusieurs mois à apprôner comme si c'était la seule solution de sortie de crise politique aiguë ça que le pays d'Haïti lui-même lui a affronté depuis quelques années déjà. Est-ce que décision ça, c'est une décision autonome ou du moins décision ça, c'est une décision encouragée? À l'aide de quelques points, n'a essayé entamer jeudi à n'a quitté ou même cher public ensemble avec propre capacité de décision et d'analyse par nous pour nous aider nous comprendre est-ce que vraiment décision ça sont décision autonome ou du moins c'est une décision encouragée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'édition nouvelle ça. Ou même qui fait tomber sur chaîne nan mando pour abonner et ou même qui t'est abonné déjà nan mando pour continuer like, commenter, partager, yon façon pour ka aider nous bousquer pi bon information pour vous toujours. Référendum constitutionnel là lui-même li renvoyé. Tout le monde au courant de ça. Mais n'a fait yon ti bac tout petit, yon façon pour nous ka analyser quelques points et quelques décisions qui te prend sous cause réalisation référendum constitutionnel ça. Te gen yon kidnapping qui t'a vraiment ravagé pays d'Haïti côté de temps en temps ou tande yon kidnappé yon moun qui donc ça te vin fait insécurité à li même li vraiment augmenté en dan pays. BNUH qui c'est bureau intégré des Nations Unies en Haïti bon côté parle t'es trouvé que cause réalisation référendum ça il pas assez inclusif et participatif qui donc il vraiment pas possible pour y être réalisé cause référendum ça en dans pays. Donc puis devant n'a gagné des policiers colombiens qui t'est débarqué en dans pays d'Haïti yon façon pour yo ka aider PNH à renforcer capacité pour yo goumé contre ça nous te carré les kidnapping pour sécurité a te ka retourner dans pays a et que pour référendum nan lui-même il était réalisé sous même lancé a Mathias Pierre qui c'est ministre chargé des affaires électorales et des relations entre les partis politiques te fait comprendre que gagne 3 experts qui te gagné pour rentrer en dans pays d'Haïti yon façon pour venir soutenir PNH pour kablay sécurité ensemble avec la paix en dans pays a. Sauf que 3 experts ça yo vraiment yo poko jam atterri en dans pays d'Haïti. Puis devant même bureau intégré ça qui te dit que eh bien référendum nan li pas assez inclusif et participatif là te décidé rentrer en contact ensemble avec mini justice et puis DG Léon Chol yo façon pour te ka gen yon plan de sortie de crise mais aussi yon plan de sécurité nationale yon façon pour référendum nan li même li te ka passé libre et libre bien soit tout le monde te ka sorti à voter sans peur sans crainte. Nous avançons. Puis devant toujours, nous gagnons 68 congressmen en dans Congrès États-Unis qui ont décidé écrit Anthony Blinken qui est secrétaire d'État pays États-Unis une lettre pour faire comprendre que yo pas supposé notamment participer dans ça que Haïti lui-même a fait qui relè référendum constitutionnel ça puisque il est vraiment illégal et li inconstitutionnel. Yo te allé plus loin puis yo dit que yo dépensé des centaines de millions de dollars dans genre de cause ça en Haïti et pas gagné rien qui fait normalement pour ta empêcher Haïti river dans dérive ça que lié actuellement là. N'a rappelé que président dominicain te fait comprendre que Haïti est en train de se somaliser qui donc en Haïti personne pas doit entrer sous à l'extérieur selon moun sa yo. Après l'état te fin rive by secrétaire d'état Anthony Blinken eh bien nous gagnons Claude Joseph qui c'est premier ministre AI en dans pays d'Haïti et qui c'est aussi ministre des affaires étrangères qui te fait moun sa yo comprendre que référendum dans le pays d'Haïti, c'est une question de souveraineté nationale. Qui donc? C'est seul peuple haïtien qui doit dire, yo pa vle référendum. Et c'est seul peuple haïtien tout qui doit dire, yo pa pa finance cause référendum si la. Qui donc? Tout bagay continue à bien marcher pour référendum nan te réalisé 27 juin qui a vini la.
Quelques temps plus tard, c'était tout par l'Union européenne pour dire que yo campé derrière majorité peuple haïtien qui fait comprendre que référendum ça lui-même li pas ka réaliser ensemble avec président Jovenel Moïse, surtout avec situation d'insécurité ça qui vraiment énorme dans le pays. Yo aller plus loin pour yo parler de bandits, parler de kidnapping et aussi aller plus loin pour yon te parler de massacre La Saline, massacre Belen, ensemble avec massacre Kafoufeuille, yon façon pour yon te ka soutenir point de vue yon et pour yon montrer président Jovenel Moïse, yon pap financer ni bay pièce aide technique nan zafè réalisation référendum. Eh bien, gouvernement, ensemble avec toute administration Moïse Joseph la, te toujours campé sous position yon pour yon réaliser référendum nan, puisque c'est seul issue que pays d'Haïti gagne pour lui avancer vers ça nous carrelé yon changement. Bien que plusieurs secteurs dans opposition dans secteur privé a bout des décisions référendum que yon trouvé illégal et inconstitutionnel ça. Peuple majorité dit non, yon pa vle référendum nan, mais ça pas empêcher CEPA ou même yon continue travail yon façon pour yon te ka réaliser. Mathias Pierre bon côté parle fait 3 jours activité côté li invité plus de 150 partis politiques yon façon pour yo ka discuter sous avant projet constitution et pour yo konnen ki ça vraiment qui manquer et qui ça pour yo retirer yon façon pour yo te ka avancer vers l'avant. Bien que après jour activité sa yo, et mes partis politiques sa yo te mandé au moins 10 millions de gourdes chacun nan 40 millions de dollars qui étaient décaissés pour référendum nan te fait là, yon façon pou yo kal mobiliser moun yo pou yo faire yo comprendre ki sa ki démocratie a et ki sa ke projet constitution sa li même li genyen pou li pote de positif an dan pays d'Haïti. Ki donc nous avancer référendum nan sou on bon lancer l'ap avancer pou li fête 27 juin ki tap veni la. Sauf que 26 mai qui sont passé à là toujours CEPA fait comprendre que gagner des matériels sensibles et non sensibles qui rentraient yon façon pour yo ka commencer réalisation référendum nan. J'ai bien dit 26 mai qui sont passé à là dans tweet que CEPA fait li annoncé que matériel ça ou même yo gen temps commencer rentrer. Moïse Jean-Charles bon côté parle toujours fait comprendre que si président Jovenel Moïse veut faire référendum constitutionnel ça c'est parce que il a évité ça nous carrelé procès Petro Caribé ou du moins répondre ensemble avec toute question massacre qui fait La Saline, Belen, Delma ensemble avec Kafoufeuille. Et il fait connaître que les États-Unis a fait semblant que yo pa vle soutenir président Jovenel Moïse mais quand bien même gagne des matériels qui a passé par une ops yon façon pour référendum nan ka réalisé. Jusqu'à présent, nous sous yon bon lancé. Nan fin mois de mai, eh bien, mission OEA te décidé enfin pour li voye yon délégation, yon façon pour ka vin faciliter dialogue nan pays ya et sans doute mener pays d'Haïti vers des élections qui libres, honnêtes et transparentes. Et mission ça li te gen pour rentrer nan pays ya 8 juin qui saute passé à la. Jusqu'à présent, ni CEP, ni Mathias Pierre, ni Claude Joseph, ni président Jovenel Moïse, yon pa gen pièce problème à ça, yon continue à travailler pour référendum nan li même li fait. 1er juin atterri, on paquet pile cartouche sous Matisan, moun kouri ki te kayo, moun mouri. Alors, Claude Joseph avec DG Léon Chol, yo fait 4 jours sa yo, yo pa chanm di rien jusqu'à dimanche qui s'est passé à la côté ou te décidé atterri sous Matisan, yo façon pou yo tal visiter moun sa yo et yo te inquiet tout sous cause coronavirus qui a augmenté et moun yo te pile sous pile 2 jours avant que mission OEA lui-même li rentre en Haïti. Nan lendemain 7 juin 2021, eh bien CEPA prend décision pour yo renvoyer Sinedaï référendum constitutionnel là qui donc yo pas de temps pour yo te prévoir une date pour référendum nan fait seulement yo renvoyer. Mathias Pierre bon côté parle fait comprendre puis peuple a comprendre que renvoi référendum nan li vle di annulé. Immédiatement après, les États-Unis prennent décision pour opposer
contre réalisation référendum dans le pays d'Haïti, alors que il y a des mois que plusieurs moun, plusieurs partis politiques, plusieurs députés dans le Congrès états-unien t'ap supplié secrétaire d'État ensemble avec président Joe Biden pour éviter pays d'Haïti causer réalisation référendum constitutionnel ça. Eh bien, est-ce que décision ça que CEPA fin prend kounya là pour lui renvoyer sinédaille référendum nan, c'est une décision qui autonome ou du moins c'est une décision qui organisait une décision pour planifier une façon que si référendum n'est pas fait, président Jovenel Moïse arrive à faire ça nous carrer élection en d'un pays. Dans notre qui sorti pour États-Unis fait comprendre que yo pas nan cause référendum avec président Jovenel Moïse là, yo fait comprendre que gagne une possibilité avec une opportunité pour élection yo fait. Si toutefois situation pays d'Haïti a ta tourné nan calme normalement et que tout bagay recommencer à marcher bien. Là, nous sommes cité tout fait yo pour tout combat que opposition lui-même li fait. Marcher dans toute commune, yo façon pour mobiliser, sensibiliser moun yo pour yo par voter référendum. Combat que diaspora bon côté pas li fait contre référendum nan, et combat tout diaspora ça encore au fait pour référendum. Yo paquet lutte mené, mais au final nous gagne yo renvoi sinédaille de référendum nan, alors que les États-Unis lui-même li opposé normalement actuellement là ensemble avec tenue référendum en dans pays d'Haïti. C'est kounya nous-mêmes cher public qui gagne capacité pour nous prendre décision pour nous dire est-ce que référendum ça yon renvoyé à son question de volonté ou du moins renvoi référendum ça c'est un renvoi forcé yon façon pour président Jovenel Moïse ta au moins sauver ça nous ta carré élection en dans pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, c'est tout point ça que nous t'ai porté pour jeudi. Jeudi nous pas porter information, jeudi nous t'ai porter une petite analyse tout petit pour une façon pour qu'à participer ensemble avec nous et dis-nous exactement qui ça ou penser de renvoi sans fixer une date de référendum qui t'a supposé faite 27 juin qui a venu là. Pas oublier, le référendum c'est un vote pour dire non pour valider ou bien rejeter une décision que un ensemble de partis politiques ou bien pouvoir exécutif lui-même li prend. Alors, ou a quitté réponse pour là pour nous dans un commentaire volonté ou bien c'est forcé, yo forcé CEPA ensemble avec président Jovenel Moïse camper processus référendum constitutionnel. Nous décontent ensemble avec vous, nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Bye bye.